L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais surtout à ceux qui ont une vision, un objectif et un plan pour l'accomplir. Le plan, je l'ai. Et si je suis chef d'orchestre, je ne suis pas le musicien. Pour réussir, il n'y a pas de secret. Il faut se mettre au boulot. La boxe n'est qu'une excuse. Ce qui compte pour moi, c'est le développement de l'homme par sa pratique. Voir des mecs se dépasser chaque jour en faisant l'une des choses les plus dures au monde, la boxe, est une des rares choses qui me redonne encore espoir en l'humanité. Le plaisir, c'est à l'entraînement qu'il faut le prendre. Être heureux de faire ce qu'on aime, être heureux de se donner pour progresser, être heureux d'être entouré de gens qui ont le même objectif que soi, celui de devenir un peu meilleur chaque jour. Le gym est un nid à rêve. Chacun a le sien, chacun a sa vie, chacun a ses raisons. Mon boulot à moi, c'est de créer une harmonie entre tous ces rêves, afin que chacun aide l'autre à accomplir le sien. La boxe est le sport individuel le plus collectif qui soit. Sans bon partenaire à ses côtés, on n'y arrive pas. Sans discipline, on ne progresse pas. Sans programme, on tourne en rond. Sans entraide, sans fraternité, les durs moments ne sont que plus durs à surmonter. Le gym doit être pour le boxeur un échappatoire, un laboratoire, un sanctuaire. Sa deuxième ou parfois même sa première maison. Il y vit toutes les émotions. Il y pleure, il y doute, il y saigne. Mais il doit y rire aussi. Surtout rire. Coacher, c'est d'abord savoir préparer le terrain, peser le pour et le contre, jauger les risques, créer un plan d'attaque, un plan de défense, penser au plan que l'adversaire peut mettre en place pour le contrer. Un homme averti en vaut deux. L'instinct tiendra toujours son rôle. Le rôle du coach, lui, est d'apporter toutes ses données et le plus de clés possible à son combattant pour déverrouiller un à un tous les problèmes qu'il va rencontrer. La préparation est la clé du succès. Let me check on the website. For tomorrow, right? Yeah.
Il n'y en a qu'un qui connaît déjà le résultat. Mais comme on dit chez moi, aide-toi, le ciel t'aidera. Welcome to Rajadan Nern Stadium, the home of Muay Thai. Le bandage des mains marque le point de non-retour. Le ring est encore loin. Rien ne sert de trop cogiter, de faire des plans sur la comète, de se poser des questions sur son adversaire ou de commencer à douter de ses capacités. Il y aura le massage, le shadow, les paroles. Les drills l'attendent sur le banc à l'entrée. La présentation du speaker leur amouait. Le travail le plus subtil pour un coach est de garder pendant tout ce temps son boxeur dans les meilleures conditions mentales. Il doit monter sur le ring avec une confiance totale en son physique, en sa technique, en sa capacité d'adaptation tactique, en son coin, en sa préparation et en ses chances de remporter la victoire quoi qu'il en coûte. Après l'entraînement, le vestiaire est le second endroit où l'on gagne ou perd le combat. Thank you.
J'ai entraîné des boxeurs de tous les continents, de toutes les religions. Hommes, femmes et enfants confondus. Certains veulent combattre pour se tester, se prouver des choses. Certains pour prendre du niveau, d'autres pour l'argent. D'autres pour écrire leur légende, devenir des champions. Écrire leur nom dans le livre d'or de leur discipline. J'aime travailler avec ces derniers car c'est une aventure sur le long terme. Amaury en fait partie. Quand on monte sur le ring, c'est pour tout prendre et rien laisser. Il y a trop peu à gagner et trop de choses à perdre dans ce business pour ne pas se battre au moins pour la gloire et le respect. La différence entre le héros et le lâche, c'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. Et c'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche. Le ring, c'est le miroir. Il est temps de se regarder en face. Il y a des combats faciles, il y a des combats durs. Le chemin est pavé d'obstacles, mais il y a toujours une leçon à en tirer. Les boxeurs sont mon miroir, je suis le miroir de mes boxeurs. Ce qui compte pour moi, c'est de toujours pouvoir me regarder dans la glace.